L'idée, c'est de continuer à vivre un partenariat entier, que ça soit pas que dans un sens, qu'on ne se voit pas qu'au stade. Ça permet d'avoir une proximité avec le staff, avec vous, avec les joueurs, avec le président, enfin avec tout le monde, quoi, avec le club de manière globale. Un partenariat, ça s'entend économiquement, mais ça s'entend aussi humainement. Puis en plus, comme ça, ça permet aussi à tous, staff et joueurs compris, à connaître aussi ce qu'est la gamme Land Rover. Ça permet dans un endroit comme celui-ci, là, on est au domaine de Fols à 30 km de Troyes, de découvrir les voitures par le biais des instructeurs qu'on a embauchés là pour cette journée, de découvrir les voitures de manière très ludique avec des croisements de ponts, d'évolution sur des terrains 4x4 en fait, et aussi de les conduire dans les bois, dans les bosquets, dans des conditions d'aventure on pourrait dire, un peu sympa quoi. Et donc l'autre groupe, le second groupe, fait de la route. Donc on inverse après le matin avec l'après-midi. Comme ça, tout le monde a fait du Land Rover dans des conditions route ou 4x4. Tu te sens comment ? Ça va, plutôt pas mal. Là-dedans, on est bien calé. Bonne sensation. L'année dernière on a eu mauvais temps, cette année il fait beau, donc voilà on peut tester toutes les différentes positions du véhicule et c'est agréable. En plus il y a les instructeurs à côté de nous, là il y a Chouki qui va passer, je vais mettre la ceinture parce que je suis pas trop rassuré, mais non sinon ça va, ça se passe super bien. On s'aperçoit pas que nos voitures elles sont capables de faire ça, donc c'est vraiment sympa. Ils nous voient dans d'autres tenues, je veux dire. Et après, c'est vrai que ils nous montrent un peu toute leur gamme et on sort un peu du contexte football, donc c'est bien. Voilà, ça va être beaucoup de maniabilité, un petit peu de franchissement avec un décor totalement différent. Ce qui va permettre justement aux conducteurs de se faire plaisir différemment dans deux environnements totalement opposés. Action! Je pensais pas que ce genre de voiture était capable de passer dans des endroits infranchissables, on a l'impression. Et puis, après c'est vrai que j'ai eu un peu peur parce que je suis avec Karim, c'est pas la grande assurance au volant, mais heureusement qu'on a une voiture capable de toute seule de conduire quoi. Laurent Vitney est très attaché au club et à chaque fois organise des petites manifestations comme celle d'aujourd'hui qui nous permettent de sortir du contexte sportif avec une trêve internationale et de passer vraiment un très bon moment, agréable. C'est vraiment une journée vraiment super sympathique. Ça permet justement à l'ensemble des joueurs de connaître l'ensemble des partenaires et surtout un partenaire en particulier. Donc, et c'est toujours plaisant aussi de sortir du contexte un peu sportif et de faire quelque chose de différent avec tout le groupe parce que c'est des moments un peu spéciaux et c'est des moments de cohésion entre nous, donc c'est sympa. Ouais. C'est une super journée, on prend beaucoup de plaisir, d'abord parce qu'on essaie des véhicules de grande qualité et puis on découvre aussi toutes les fonctionnalités de certaines voitures, la manière de les conduire, de les piloter. Donc en plus on est encadré par des professionnels, des instructeurs, donc c'est toujours très très intéressant. On sent vraiment l'envie de Laurent de nous accompagner, de nous faire plaisir, de créer une cohésion entre l'équipe et notre équipe et son équipe à lui. Donc ça c'est vraiment super intéressant, c'est valorisant à la fois pour eux et pour nous. Donc c'est un vrai partenariat, un vrai esprit d'équipe.
nous avons l'habitude de faire ce genre d'événement puisque nous réalisons ces événements chaque week-end. Ils sont tous déjà complètement bluffés sur les possibilités du véhicule, sur la motricité et sur le confort de ces véhicules également. Et voilà, c'est une parfaite équipe qui sont tout à fait à l'écoute et très intéressés par cette activité automobile. C'est top, franchement c'est top. En plus, on a eu la chance de conduire dans sur des routes un peu sinueuses, dans la forêt, là où il faut un peu de la technique de conduite, etc. Donc non, c'était top, franchement c'est super journée. Là. Ça permet de se connaître et aux joueurs de se dire, tiens, quand on se croise, on sait qui est qui, et puis de savoir qui sont les partenaires du club. Et les joueurs sont super contents d'avoir conduit toutes ces voitures. C'est vrai que c'est magique de les conduire dans ces conditions-là, avec en plus des instructeurs qui font évoluer dans des situations cocasses qu'on n'utilisera peut-être jamais avec sa voiture. Mais en plus, ça permet à nous tous de se voir dans d'autres conditions. C'est vrai que ça, c'est quand même hyper important de vivre des moments différents et de construire ensemble ce partenariat de long terme.